les recherches cliniques, les technologies numériques, les essais cliniques. Messieurs les ministres, Monsieur le directeur administratif financier de la société. C'est une signature qui a trait essentiellement à une approche holistique concernant bien sûr l'accompagnement des besoins de santé pour certains médicaments qui sont particuliers, notamment les biosimilaires et certains médicaments destinés aux maladies orphelines. Comme vous pouvez le savoir, comme Sa Majesté bien sûr l'a bien cité, le Maroc a besoin bien sûr d'une souveraineté sanitaire. Depuis le Covid, il y a plusieurs leçons qui ont été tirées, dont la souveraineté sanitaire. Et une souveraineté sanitaire ne peut passer sans la souveraineté médicamenteuse. Et donc c'est pour cela, bien sûr, on a voulu qu'il y ait quand même cette approche-là et qui concerne essentiellement un procédé d'accélération de l'innovation vers d'abord la conception du médicament avec sa forme galénique jusqu'à la production et l'utilisation chez le patient. D'habitude, cette conception de médicaments, elle peut prendre plusieurs années, ça dépasse même les dizaines d'années. Avec cet accélérateur, on peut ne pas accéder les 2 ans. Et donc, on peut avoir non seulement la forme galénique, mais en même temps, une forme galénique qui est dédiée à un malade ou une maladie bien précise, en réduisant tous les risques que connaît un médicament classique en termes de toxicité et aussi en optimisant l'usage en termes de dosage. Et donc c'est un procédé qui aujourd'hui est devenu d'actualité à l'échelle internationale. Il permettra de cibler les patients, ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et cette médecine personnalisée permettra dorénavant et dans le futur d'éviter les différents stockages de médicaments parce qu'on va fabriquer une production industrielle pharmaceutique dédiée à un usage bien précis. Access Pharma se présente comme un allié des autorités sanitaires dans la lutte contre le cancer, un fléau qui cause un grand... Access Pharma est spécialisé dans la fabrication de produits anticancéreux. C'est un site dédié parce que ce sont des produits qui doivent être fabriqués avec des normes et un environnement spécial, donc confiné. Nous sommes très fiers d'apporter cette nouvelle gamme thérapeutique à l'arsenal marocain. Comme vous le savez, le cancer est un grand fléau et nous apporterons, Inch'Allah, des produits de qualité et accessibles pour le patient marocain et africain. Merci.